Et on a vraiment la chance de l'avoir pour qu'il nous parle de la bioponie. Du coup, William, c'est cofondateur et le directeur de Terra Aquatica, cette entreprise qui travaille sur les techniques d'hydroponie, bioponie, etc. Donc, je vous laisse avec lui. Merci. Il marche. Ah. Bonjour, bienvenue à tous. Merci aux organisateurs de nous recevoir et félicitations aux gens qui ont reconquéri ce lieu. C'est vraiment magnifique. Il y a eu un très très beau boulot de fait. Vraiment, je voulais vous féliciter. Alors, nous, on fabrique, comme on vous a dit, je suis le seul à parler aujourd'hui probablement qui ne connaît rien aux poissons. Mais alors vraiment rien. Donc nous, on fait de la bioponie. En fait, vous faites de la bioponie parce que le premier nom de l'aquaponie dans le temps, dans les années 80, au début des années 80, il y a eu un gros mouvement d'aquaponie dans l'ouest des États-Unis. Et à l'époque, ils appelaient ça bioponie. Et je suis très content qu'ils aient changé de nom et qu'ils nous aient laissé le nom de bioponie pour nous. Donc bioponie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une autre manière de faire de l'hydroponie biologique. C'est-à-dire que on met dans la solution nutritive, au lieu d'y mettre des sels minéraux, on y met tout bêtement des éléments organiques, généralement dérivés de plantes. Je vous en dirai un tout petit peu plus à la fin sur la question des engrais qu'on peut utiliser. Donc en fait, c'est la même chose, on vous a tout dit déjà ce matin, je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est la même chose sur les poissons, en gros. Et du coup, ça facilite beaucoup, beaucoup les choses parce qu'il n'y a pas de toute cette technicité. Enfin, je pense que dans l'aquaponie, c'est une technologie d'aquaculteurs qui ont développé cette technologie pour nettoyer leur système, etc. Donc, ce sont des aquaculteurs, des gens qui ont des connaissances spécifiques sur les poissons. Nous, on vient d'un autre monde qui est l'hydroponique. Et pour nous, on introduit du vivant d'une autre manière. On introduit des bactéries, des choses comme ça, mais certainement pas des poissons. Donc, on a une approche complètement différente qui, finalement, à la fin, revient un tout petit peu au même sur les produits que l'on sort de nos systèmes. Donc, moi, je fais de l'hydroponie minérale depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années. Et c'est un long discours pour expliquer aux gens que utiliser des minéraux de la manière dont on le fait, c'est pas forcément aussi toxique et de loin que de le faire dans les champs, comme la plupart des... Là, c'est vraiment un vrai problème. Des sels minéraux dans le sol, c'est un vrai terrible problème. Des sels minéraux beaucoup, beaucoup plus dilués, beaucoup plus purs dans des chambres de culture, pour moi, c'est beaucoup moins toxique et ça ne pose pas les mêmes problèmes. Donc, à chaque fois qu'on me demandait mon boulot et qu'il fallait que j'explique longuement qu'est-ce que je fais, il fallait que je passe un long discours derrière pour expliquer que je n'étais pas un pollueur, pas un assassin. Et la première question que tout le monde me posait, c'était « est-ce que c'est organique ?» Alors, il fallait que je dise « non, ce n'est pas organique, mais… » Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai dit « oui, c'est organique, je vais le faire organique, comme ça, ils me ficheront la paix. Voilà. » Donc, je l'ai fait un petit peu comme ça, parce que j'en avais marre de répondre toujours la même chose. Et puis aussi parce que c'était un challenge intellectuel assez intéressant. Parce que quand on fait une solution nutritive avec des éléments organiques, on se rend compte finalement, j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis 4-5 ans à le développer, parce qu'on se rend compte que les matières premières qu'on utilise traditionnellement en sol, genre les émulsions de poisson, le sang, toutes ces choses-là, ça va pourrir dans l'eau. Donc du coup, on est relativement limité dans les choses qu'on peut utiliser. En plus, bon, le cahier des charges qu'on s'est donné, c'est bien entendu de respecter le règlement européen sur l'agriculture biologique. Ça veut dire produire quelque chose qui certifiable et certifié d'ailleurs en agriculture biologique. Donc ce n'était pas un cahier des charges trop trop facile. Et c'est une technologie qui, au niveau commercial, souffre du fait que ça ne peut pas être reconnu comme organique. Il ne peut pas y avoir de certification. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi-même et que j'encourage beaucoup les gens à faire. Hein, pour les urbains, se faire pousser un petit potager sur un balcon. La terre, il paraît que la terre sert à faire pousser des plantes. Je n'ai jamais essayé, mais en tout cas, ça ne marche pas aussi bien que l'hydro, ça c'est sûr. Donc quand vous avez une saison courte, peu d'espace, franchement, c'est très intéressant quand même d'avoir recours à de l'hydro. On arrive, nous, à faire des petits potagers urbains sur 1 m², 1 m50. C'est incroyable ce qu'on peut sortir et vous seriez étonné de ce que vous pouvez produire avec ça. Voilà, donc au niveau commercial, encore une fois,
Si vous essayez, ça marchera bien. Les produits qui en sortent sont tout à fait de très bonne qualité. En général, on a eu beaucoup d'analyses sur nos produits. Quand je parle de nos produits, je veux dire ce qui sort de nos cultures. Et on a toujours à peu près une moyenne de 200% de valeur nutritive entre vitamines et sels minéraux. Et en fait, un produit poussé de la manière dont nous on le fait pousser, devrait se vendre réellement deux fois le prix, parce qu'on est deux fois plus nutritif que n'importe quelle autre technologie. L'hydroponie est une vieille technique qui existe en France depuis très longtemps et qui a une très mauvaise presse, parce que sous ce nom global se cachent des technologies qui sont absolument détestables. Toutes les tomates que vous mangez qui n'ont pas de goût poussent en hydroponie. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de ce que je fais, parce que c'est pas du tout le même métier. Nous, on essaye de faire une hydroponie qui s'adresse à fabriquer de la qualité plutôt que de fabriquer de la quantité. Et nos clients, c'est des gens comme les sourciers, justement, qui vendent à des chefs, qui vendent à des gens des produits qui sont nutritifs et de qualité. Je vais vous montrer en quelques. Alors, soyez gentils, arrêtez-moi, je n'ai aucun contrôle du temps et dites-moi quand il reste quelques minutes pour des questions, parce que sinon, je vous en avais pour jusqu'à ce soir. Donc, arrêtez-moi, please, arrêtez-moi. Je vais vous montrer juste un petit peu les débuts. J'ai pas eu le temps de mettre à jour cette présentation, donc c'est vraiment des choses qui datent. C'est pas celui-là. Ah. Non ? Hein ? Non, aucun. Ah, youpi. Oui, Bioponi. Ah, puis maintenant, il marche tout seul, super. Donc voilà, ça, c'était nos premiers essais, vraiment, nos premières petites tomates qui ont poussé en Bioponi. Alors, je vais vous montrer l'évolution de cette culture. Et puis surtout, je vais vous montrer aussi à côté des tomates qui poussent sur une solution minérale. Et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de différences. Une des particularités des cultures en Bioponi, c'est que il y a beaucoup moins d'azote et d'azote disponible. Donc, on ne fait pas pousser ces plantes gigantesques et vertes et magnifiques qui poussent en hydroponie d'habitude. Et s'il y a un reproche qu'on peut d'ailleurs faire à l'hydroponie, c'est de faire pousser beaucoup de masses vertes pour une récolte qui ne le nécessite pas toujours. Nous, on fait des tomates monstrueuses avec des énormes feuilles dans tous les sens. C'est pas forcément nécessaire. Donc, en bioponie, on va faire des plantes qui ressembleront plus à des plantes poussées en sol. Voilà ces mêmes petites tomates qui continuent à pousser. J'ai pas de. Voilà. Toujours les mêmes au fil des semaines. Et alors vous allez voir qu'elles deviennent. Voilà. Voilà, beaucoup plus tard. Et je vous montrerai après donc des tomates en hydro-organique, minérale, et vous verrez que ça n'a pas du tout le même rapport. L'intérêt de ce genre de plante, c'est en effet qu'on fait pousser beaucoup moins de vers, mais par contre, on a une très bonne récolte au niveau des tomates. On utilise très très peu d'eau. Je suis très étonné à chaque fois de la quantité dérisoire d'eau qu'on arrive à utiliser, mais c'est vraiment, vraiment dérisoire. Nous, on pense qu'en hydroponie, on économise, alors on a des règles de soi-disant 30%, mais bon, c'est tellement variable en fonction des quantités que j'utilise jamais ces chiffres-là. Mais on sait qu'on économise de l'eau, mais là, c'est plus qu'économiser de l'eau. Pratiquement, on en consomme pratiquement pas, et on ne consomme pratiquement pas d'engrais. C'est-à-dire que nos engrais, je vous en parlerai à la fin de la manière dont on nourrit ces plantes, mais il y a un fond de matière organique qui fait que ces engrais fonctionnent pendant très longtemps dans la solution. En fait, pour faire de la bioponie, il faut exactement la même chose que tout ce qu'on vous a dit ce matin, c'est-à-dire il faut un biofiltre, parce que de la même manière, on reproduit ce qui se passe dans le sol. C'est-à-dire qu'il faut dégrader de la matière organique. Et pour dégrader de la matière organique, il faut des micro-organismes. Alors, il faut des micro-organismes beaucoup plus variés que simplement les nitrobactères. Mais on ne s'en occupe pas, ils viennent tout seuls. Ce qui est bien dans la nature, c'est qu'ils sont là tous partout autour de nous. Et donc, on n'a pas besoin de les introduire. Nous, on se contente et ça, c'est vraiment important. C'est presque crucial dans cette technologie de bioponie. On introduit des trichodermas. Exactement, des trichodermas arzanum.
Si je peux être plus précis, je pense que c'est même souche 14. C'est vraiment précis sur la souche. Parce que ces trichoderma sont des champignons, donc, qui vont coloniser les racines. Un petit peu plus loin, je vous montrerai des photos de racines colonisées et qui vont dégrader la matière organique. Ils ont l'avantage d'être bon marché, de se trouver facilement sur le marché. C'est un micro-organisme tout à fait courant qu'on utilise très fréquemment, que vous trouverez très facilement. Par contre, ils ont besoin d'un lieu pour se développer. Ce sont des champignons. Ce ne sont pas des bactéries. Donc, ils ont besoin d'un support. C'est pour ça que nous aussi, on utilise un biofiltre. De la même manière que vous, en aquaculture, vous utilisez un biofiltre pour dégrader la matière organique. L'enjeu de fabriquer cet engrais, c'était justement de trouver des matières premières qui se dégradent très vite, pour qu'il n'y ait pas une première carence au tout début de la culture. Donc, il fallait on a mis du temps à trouver des choses qui pouvaient rapidement, une fois mises dans l'eau, commencer à donner un petit peu quelque chose à la plante, puis les micro-organismes prennent le relais, puis la solution continue à s'enrichir, etc., etc. Et donc, on la mène d'une manière tout à fait différente. On va finir un peu ça, puis après, je vous expliquerai comment on gère une solution qui est très différente de ce qu'on gère d'habitude en aquaponie minérale. Donc voilà les mêmes tomates, presque en fin de vie. Vous voyez, ce n'est pas des plantes qui sont impressionnantes, hein, mais on a eu une très bonne récolte. Je n'ai pas de chiffres, c'est vieux cette histoire-là, mais on a eu une très bonne récolte là-dessus. Et alors je voudrais finir, voilà. Ça, ce sont des tomates poussées en minéraux. Alors je reviens en arrière. Voilà, vous voyez quand même tout de suite la différence entre les deux. Bon, elles ne sont pas au même stade, elles n'ont pas le même âge, mais vous voyez, les minéraux vous donnent ce feuillage luxuriant, ces plantes qui poussent à vue d'œil, vous vous couchez le soir, vous revenez le lendemain, il y a 10 cm de plus, c'est super. Mais en même temps, on fait de la biomasse un petit peu inutile parfois. Voilà, et donc après, bon, bien entendu, on a amené ça à tout un tas d'autres cultures. On a essayé des... je pensais au départ que ça ne marcherait pas très bien sur du verre parce qu'il n'y a pas tellement d'azote libre au départ. Et donc, je pensais qu'on aurait une grosse déficience par rapport à un engrais minéral au début. Puis finalement... Bon. Finalement, mais pourquoi? Finalement, ça, c'est pas mal. Même sur du verre, ça a plutôt bien marché. Et voilà, donc on a fait pousser plein de choses de cette manière-là. Ça marche à peu près partout. On a une culture en particulier, c'est celle-là, c'est de l'Arnica montana. Et je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul, mais bref, c'est de l'Arnica montana, qui est une plante en danger dans la montagne. Et nous, un des avantages de notre technologie, c'est qu'on a accès aux racines. Et ça, c'est vachement important. Donc, on travaille en ce moment sur cette Arnica montana en partenariat avec un labo, parce qu'on a déjà fait des tests de rentabilité juste sur... vous allez finir par être malade, hein, à part ce que je suis désolé, mais ça marche tout seul. Donc, on a fait les tests de rentabilité à essayer des cultures d'arnica. Et on a essayé pas mal de plantes en danger. Donc, on a fait des tests sur des cultures d'arnica. C'est absolument pas rentable d'utiliser simplement les fleurs. Et ouf, enfin, on va pouvoir passer à la suivante. Voilà. Par contre, quand on utilise les racines, ça devient beaucoup plus intéressant. On a deux récoltes, et là, on a une récolte continue sans avoir besoin de détruire les plantes. C'est-à-dire qu'on sort le couvercle, on met ça sur le côté, et on taille les racines, et on remet les plantes en place, et on a une récolte continue. On va démarrer là très très bientôt une culture commerciale en collaboration avec un laboratoire. Et alors justement, je vous parle de celle-là, parce que celle-là, on est obligé de la faire en bioponie. Les racines, quand on fait de l'hydroponie, on a ce qu'on appelle des racines d'eau, qui sont des racines assez minces. Vous avez probablement tous vu un jour ou l'autre des racines de plantes. Non, ça marche tout seul. Ouais. Non, je peux rien faire. Voilà, tu vois, je le pose, j'y touche pas. Il avance tout seul. Bon. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, bon. OK. Bon, alors, excusez-moi. Donc, voilà, je vous disais, par exemple, pour cette application particulière,
On est obligé de le faire en bioponie parce qu'en bioponie, on obtient une structure de racines assez étonnante qui est un intermédiaire entre les racines d'eau et les racines de terre. Donc, c'est des racines. Alors, on va quand même laisser passer, voilà, jusque-là. Et là, vous pouvez voir sur cette photo, d'abord, les trichodermas. Vous voyez les petites choses blanches en haut, là. Ça, c'est les trichodermas qui ont colonisé les racines. Et puis, vous voyez que si vous avez l'habitude de voir des racines, et surtout si vous avez déjà vu des racines en hydro, vous voyez que ces racines-là ressemblent plus à des racines de terre que les racines d'hydro traditionnelles. Donc, pour des récoltes de racines comme celle-là, on est obligé de passer par de la bioponie. Donc, ça a quand même un intérêt aussi pour ça. Il avance plus, super. Voilà, ça c'est vraiment là où tout se passe, quoi. On garde dans cette technologie les avantages de l'hydro, c'est-à-dire qu'on garde dans cette technologie des racines qui sont en contact en permanence avec une solution nutritive, donc des racines qui sont heureuses, qui se nourrissent facilement, qui se nourrissent bien. On arrive à ne pas avoir de plantes carencées parce qu'on donne une nutrition balancée à nos plantes dès le départ, et donc du coup on profite un petit peu du meilleur des deux mondes, on profite un petit peu du meilleur de l'hydroponique et du meilleur du sol et des technologies genre permaculture, etc. Et en fait, voilà, vous voyez encore une fois un petit peu des racines. Alors, normalement, les racines sont blanches. Quand vous les voyez comme ça, un petit peu de couleur, c'est parce que la solution nutritive leur donne de la couleur. Mais par contre, vous voyez que c'est des racines en pleine santé. Alors, on arrive à la nourriture, justement. Qu'est-ce qu'on donne à ces plantes? Comment on fait? C'est la première question que tout le monde me pose. Comment je fais de la bioponie sans acheter les engrais à Terra Aquatica? C'est évidemment la première question que tout le monde me pose. Et en deux mots, donc... c'est difficile. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Voilà, ce qu'il y a nous dans les engrais qu'on utilise. Voilà, par exemple une analyse de. On a fait bariner 1 kg de jus de verre dans 1 litre d'eau pendant 48 heures avec des techniques pour essayer d'en extraire le maximum possible. C'est tout ce qu'on a réussi à extraire. Donc c'est une solution fille, mais c'est loin d'être une solution mère. Voilà. En deux mots, nous, ce qu'on utilise comme matière première, ce sont des coproduits végétaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand on extrait de l'aloe vera, quand on extrait le jus de l'aloe vera, nous, on utilise le reste pour en faire une source d'engrais. Donc, nos engrais sont formulés à partir de coproduits végétaux en général. Il n'y a aucun produit animal dedans. C'est pour ça que pour des particuliers ou même pour des petit entre guillemets professionnel, c'est assez difficile de le reproduire vous-même parce que ces matières premières, c'est difficile d'y avoir accès en petite quantité. Et puis il faut un réseau assez vaste. Voilà. Après, je pourrais vous parler d'autres techniques pour essayer de faire vous-même vos propres solutions, mais apparemment là, le temps est court. Alors je vous invite, si vous avez des questions à me poser pour les quelques minutes qui restent. Pas de questions? Pas de questions? Ok, écoutez, merci beaucoup alors. Merci de m'avoir écouté et bonne journée, bonne continuation.